Et jusqu'à midi sur Europe, vous êtes avec Thierry Moreau. Et oui, avant de nous quitter, notre dernier rendez-vous quotidien, c'est le coup de fil à une star en vacances. Que font nos amis de la télévision lorsqu'ils ne sont pas à l'antenne? Que regardent-ils à la télé pendant leur congé? Que pensent-ils de leur remplacement, de leur joker? Aujourd'hui, on a Alex Good. Bonjour Alex. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Alex. Thomas, Mathieu, Julia, ma copine Julia. Ça bisous, va bien, bisous. Ça va bien? Ouais, ça va, merci. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous présentez la météo tout en calembour dans le 1945 sur M6. Alors la météo, ça vous manque pendant les vacances? Surtout qu'en ce moment, elle n'est pas terrible. Hein. En ce moment, je suis content de ne pas la faire parce que je pense que sinon, c'est les gens qui ont tendance à croire que c'est moi qui fais le ciel. Donc après, enfin, les présentateurs météo qui font le ciel, donc après, on se fait gronder. Donc là, c'est vraiment pas la fête. Mais alors, vous êtes plutôt campagne, mer, montagne ou voyage à l'étranger dans vos vacances? Écoute, je suis plutôt voyage à l'étranger. En général, je vais toujours aux États-Unis parce que j'ai ma famille qui vit là-bas. Donc, enfin, une partie de ma famille, en tout cas, qui vit en l'occurrence à Las Vegas. Donc, je fais très souvent à Las Vegas. Là, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné durant l'année. Non, parce que je joue très peu, en fait. Et parce qu'il a plein de fric, surtout. Il a investi. donne un peu. Alors, non, malheureusement, non, mais je gagne pas ma vie, mais bon, pas au point de dépenser des fortunes au casino, donc j'essaie de pas trop jouer. Puis là, je suis allé à Avignon voir une comédienne que je mets en scène, qui s'appelle Anne Bernex aussi, j'ai profité un peu du soleil, parce qu'Avignon, il fait beau, contrairement à Paris ou ailleurs. Et voilà, donc c'est plutôt des vacances sportives aussi, je vais au sport tous les jours, j'essaye. Bon, j'ai pas encore le corps de Mathieu, hein, mais qu'un espèce d'athlète de haut niveau, quand même. Ah bon? Vous connaissez mon corps, Thierry? Bah, on le voit, là, vous faites 1 mètre, parce qu'il dit que je suis un petit journaliste média, mais forcément, il fait 2 mètres de haut, donc. dites-moi, vous regardez la télé pendant vos vacances? Je suis très sérivore. C'est que je regarde un nombre de séries assez invraisemblable. Je regarde 20 par semaine. Alors là, ça va, c'est les vacances, mais il y en a des nouvelles, il y a des séries d'été. Donc j'ai une nouvelle série de super-héros qui a commencé qui s'appelle Alpha, que j'adore. Alpha, c'est bien, ouais, c'est bien. Ouais. Ah, Guillemette, t'as vu. Je suis branché dessus, voilà. Il y a aussi Teen Wolf, bon, ça c'est un truc de loup-garou. J'aime bien aussi les trucs un peu fantastiques comme ça. Et sinon, c'est repos complet ou vous faites ce que vous n'avez pas le temps de faire pendant? Parce que vous êtes un peu un hyperactif, hein, on vous connaît tous un peu ici. Vous faites ce que vous n'avez pas le temps de faire durant l'année? Ouais, je dors très peu, donc du coup je travaille quand même pendant les vacances. Là j'écris beaucoup en ce moment. Vous écrivez des blagues pour la rentrée? Non, ça c'est pas. C'est méchant ça. Non, je les prépare pas à l'avance. Non, j'écris un bouquin, j'écris une nouvelle pièce, je travaille sur des mises en scène que je fais avec d'autres artistes, voilà, et puis des projets pour la télé aussi. Donc je profite justement de ce temps-là pour me dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et j'écris des bêtises du coup. Quel projet? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les projets? Non, bah ouais, enfin, j'ai envie de faire des émissions, de proposer à M6 des émissions toujours un petit peu dans l'humeur et dans l'humour, donc voilà, je travaille là-dessus. Pareil que vous avez un projet à base de jeux vidéo, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai aussi, mais déjà il est bien informé. Je vais laisser le micro à Mathieu, quoi. Mais on a un petit projet aussi de jeux vidéo, parce que moi j'ai commencé dans le jeu vidéo, ça fait 15 ans que je suis dans le jeu vidéo, et je fais aussi ça beaucoup en vacances jouer, et on essaye de faire arriver le jeu sur le RT1, parce que tu sais, le jeu est pas mal présent sur Internet Merci Alex, on va vous laisser savourer vos congés, il est maintenant temps de nous quitter. Au revoir à tous, au revoir Bonnes vacances Alex. Bonnes vacances, au revoir Alex. Thomas, au revoir Julie.